Ovulation et période de fécondité. La fertilité féminine et l'ovulation ont un lien important. En général, la période de fécondité, ou la fenêtre de fertilité, a une durée de 5 à 8 jours, selon la femme c'est durant cette période qu'un couple peut concevoir. La femme est non fertile, pendant le reste du cycle. L'homme est fertile tous les jours, tandis que chez la femme, la fertilité est cyclique, la femme n'est féconde que durant les derniers jours de la phase folliculaire. Comment déterminer la période de fécondité L'ovulation et la fertilité ont un lien. Pour réussir à tomber enceinte, il est important que la femme écoute son corps et détermine selon sa physiologie la période de fécondité, lorsqu'elle peut tomber enceinte et que les spermatozoïdes puissent survivre dans l'appareil génital de la femme avant l'ovulation. La femme est plus fertile en général entre 5 à 6 jours et ne l'est plus le lendemain de l'ovulation. Il est cependant difficile de déterminer exactement la période de fertilité d'une femme puisque son cycle peut varier d'un mois à l'autre. Cependant, il existe quelques méthodes pour aider les couples à connaître cette période, le calendrier, qui aide la femme à se souvenir des dates de ses règles. La courbe thermique. La glaire cervicale. Le col utérin sécrète une sorte de liquide qui protège l'appareil génital féminin du sperme, des bactéries et des micro-organismes. Pendant la période de fécondité, cette glaire change d'aspect permettant au sperme d'atteindre les trompes, pour connaître la fenêtre de fertilité, la femme peut surveiller ses changements pour connaître à quelle période elle peut tomber enceinte. Pour cela, elle peut introduire deux de ses doigts dans son vagin pour recueillir la sécrétion. La femme n'a pas de glaire après ses règles. Une semaine après ses règles, la glaire devient plus visqueuse et collante, et devient plus crémeuse à l'approche de l'ovulation. Elle s'étire sur les doigts sans se rompre, ce qui indique que la femme approche du pic de fertilité. Cependant, il faut comprendre qu'il y a différents facteurs pouvant modifier l'état des sécrétions cervicales comme l'excitation, la présence de sperme, ou encore l'infection vaginale. L'ovulation. C'est le moment auquel l'ovule est expulsé de l'ovaire pour être fécondé par le spermatozoïde. Si les spermatozoïdes peuvent survivre dans le col de l'utérus durant 3 à 6 jours, l'ovule n'est viable qu'entre 12 à 24 heures. Ainsi, la période de fertilité dure 4 jours avant les ovulations et 24 jours après les ovulations. Il n'y a pas de symptômes évidents d'ovulation chez la femme en général. Cependant, les femmes les plus sensibles ressentent une tension mammaire importante et une congestion pelvienne durant la seconde partie du cycle à cause de l'hyprestrogénie. Ces signes doivent être pris en compte pour déterminer la date de l'ovulation. Il existe également méthodes permettant de déterminer la date d'ovulation. En plus de la température basale, il est également possible de faire des tests d'ovulation disponibles en pharmacie et permet de découvrir la présence d'une hormone dans l'urine. Cette hormone favorise la libération de l'ovule. Cette hormone est présente dans l'urine deux jours avant l'ovulation. Il y a également la méthode fertility car qui est basée par l'analyse de la glaire cervicale, tout comme la méthode being ou la méthode symptothermique qui consiste à combiner la glaire cervicale et la température basale. Calcul de la période d'ovulation. Le meilleur moment pour essayer de concevoir un enfant est au cours de la fenêtre de fertilité ou plus communément la période d'ovulation du cycle menstruel qui est différente pour chaque femme période d'ovulation. Nous parlons des jours du cycle menstruel d'une femme lorsque la grossesse est possible. La grossesse est techniquement possible que pendant les cinq jours avant l'ovulation jusqu'au jour de l'ovulation. Ces six jours sont la fenêtre fertile dans le cycle d'une femme et reflètent la durée de vie des spermatozoïdes 5 jours et la durée de vie de l'ovule 24 heures. Si une femme a des relations sexuelles au moins 6 jours avant l'ovulation, la chance qu'elle sera enceinte est pratiquement nulle. Si elle a des rapports sexuels cinq jours avant l'ovulation, la probabilité de grossesse est d'environ 10%. La probabilité de grossesse augmente régulièrement jusqu'aux deux jours avant et le jour de l'ovulation comprise. À la fin de la période d'ovulation, la probabilité de grossesse diminue rapidement. Calculez le moment de l'ovulation. Il faut faire le calcul sur la longueur de votre cycle menstruel moyen. Le premier jour est le premier jour de la période menstruelle et le dernier jour est le jour avant le début de la période suivante. L'ovulation arrive environ deux semaines avant la prochaine période prévue. Donc, si votre cycle menstruel moyen est de 28 jours, vous ovulerez autour du 14e jour. Rappelez-vous, la période d'ovulation représente les six jours qui ont précédé l'ovulation, celle-ci comprise. Les trois jours précédents et incluant l'ovulation sont les plus fertiles. En fonction de la longueur de votre cycle, les jours les plus fertiles du cycle varient. Si vous avez 28 jours entre les périodes, l'ovulation se produit généralement sur 14 jours, et les jours les plus fertiles sont les jours 12, 13 et 14. Si vous avez des cycles plus longs, disons 35 jours entre les périodes, l'ovulation se produit le jour 21, et les jours les plus fertiles sont les jours 19, 20 et 21. Si vous avez des cycles plus courts, disons 21 jours entre les périodes, l'ovulation se produit le jour 7 et les jours les plus fertiles sont jours 5, 6 et 7.